j'ai mes différentes machines virtuelles qui sont catégorisées en ressources pool, avec certains qui servent de service commun pour les autres silos de mon data center virtuel, le silo production très sécurisé et le silo test dev. Aujourd'hui, la sécurité n'est pas implémentée. Et par exemple, si je veux lancer des accès réseau à travers le data center virtuel, tel que le ping, c'est quelque chose que je vais pouvoir faire très facilement. Donc ici, si je veux lancer un ping de ma VM DHCP vers ma VM Project 91 front-end, qui est à cette adresse IP ici, voilà, donc là le ping est lancé tout à fait normalement. Et alors, ce que je vais pouvoir faire, c'est mettre en place une règle qui va me bloquer l'ensemble des flux ICMP sur tout ou partie de mon data center virtuel, de façon à éviter à des personnes malveillantes d'utiliser les flux ICMP. Alors ici, j'ai mis en place cette règle. Avant de la commiter, je vérifie mes flux ICMP fonctionnent bien. Et là, en actionnant cette règle, immédiatement, mes flux ICMP sont bloqués sur l'ensemble du data center virtuel. Voilà, donc c'est très simple. Il n'y a pas de virtual appliance de sécurité à placer, c'est ici un firewall au niveau de l'hyperviseur. Donc c'est le data center virtuel qui fournit le service de sécurité pour sécuriser les différentes machines virtuelles qui sont hébergées. Donc ici, cette règle est en place. Si je veux la supprimer, c'est aussi simple que cela. Et immédiatement, les flux ICMP reprennent au sein de mon data center virtuel. Voilà, donc ça c'était la première chose que je voulais vous montrer. Il faut bien entendu savoir que ces règles sont tout à fait compatibles avec le vMotion. Si on déplace une machine virtuelle d'un hôte vers un autre hôte, ces règles de sécurité suivent la machine virtuelle.